Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2019. Et alors comme il fait beau après une semaine de pluie plus qu'intense, j'ai décidé de sortir ma caméra, mon appareil photo. Parce que bon, je suis allé marcher sous la pluie, mais comme je vous ai déjà expliqué, pour l'appareil photo, ça craint un peu quand même. Donc bah, j'en profite, aujourd'hui il fait pas une température excessive, mais bon, le ciel est bleu avec quelques nuages, le soleil est là, et c'est quand même bien plaisant. Donc comme c'est la chasse en ce moment, je reprends donc mes trajets sur la voie verte, qui va de J.V. à Charleville, ainsi que sur la Transmoisienne. Hein. Donc ne soyez pas surpris des images que vous connaissez déjà, mais voilà, je vais vous faire profiter un peu de mes petites sorties, parce que ça fait du bien. Allez, on continue. Voilà, c'est un bien joli petit coin où on peut même manger à l'abri. Je vais vous montrer ça. S'il pleut fortement, on peut se mettre là. Le temps que ça passe un peu, vous allez voir. Voilà, ce bel endroit bien abrité. Bien sympathique. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Ça s'est beaucoup amélioré hein, grâce à la voie verte d'ailleurs. Il y a des endroits qui sont vraiment splendides et qu'on n'exploitait pas forcément avant. Hein. On ne connaissait pas ou peu, c'était de petits sentiers. Hein. Voilà, on va poursuivre sur cette belle voie verte vers Revin. Il y a eu quand même un sacré lagage là, en haut de la voie de chemin de fer. Dans ce coin, c'est splendide. Hein. C'est un peu sauvage malgré la voie de communication parce que il a beau faire soleil et on voit pas grand monde quand même. Hein. Là, il y a pas mal de nouvelles plantations mises en place par l'Office national des forêts, protégées par des barrières hein, pour pas que les gens fassent tout et n'importe quoi. Alors j'entends le train là qui vient de Charleville qui va vers Givet. On va le voir passer là. Vous voyez, juste à côté de la voie verte. Hein. C'est le TGV de la vallée de la Meuse, on va dire. Hein. Que d'eau partout là. À quelques centimètres près, au même niveau que la voie verte, hein, voyez. Mais c'est beau, hein. Mais c'est vraiment, on va dire, les 2 cm du bord. Hein. On dirait qu'il y a un nuage dans la mare, c'est joli. Hein. Ça fait de jolis reflets. Et voilà un joli torrent qui vient des hauteurs et qui va aller se jeter dans la Meuse un peu plus bas en passant sous la voie de chemin de fer. C'est beau et puissant à la fois. Moi, cette force de l'eau, ça m'a toujours fasciné et puis j'adore l'eau. Hein. L'eau, c'est la vie, hein. Très joli paysage. Vous voyez, la voie de chemin de fer passe au-dessus. Et ce ruisseau, à l'origine, qui s'est transformé là pour le moment en torrent, passe en dessous. Et va se jeter dans la Meuse un peu plus bas. Quand j'étais enfant et que j'ai lu La Mare au Diable, j'imaginais un peu comme ça d'ailleurs.
Et voilà, en face donc, ce sont les bois Briard, vous voyez la Meuse, hein, et puis la voie de chemin de fer. Là. Donc j'arrive sur Revin. Juste le bruit de l'eau. Juste ça. Encore un joli torrent là. Un joli torrent abondant là, juste avant d'arriver au pont qui passe sous la voie de chemin de fer de Revin. Hein. Et il y a une espèce de réservoir qui filtre les saletés là, branches, feuilles et compagnie. Et puis bah ça part en face là, hein, vers la Meuse. Voilà mes copains les chevaux qui sont de l'autre côté de la Meuse là. Ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques, hein. Et voilà, Revin, là-bas on voit le pont, l'église, là. Et voilà, chemin du retour, là, sur Fumay, donc il y a même un peu plus que prévu, hein. Il y a 8,5, hein, à partir d'ici. Petite cabane, là, qui est à l'entrée du chemin des chasseurs, donc celui qui est balisé en rouge. Et il y a un autre chemin qui s'appelle les boucles du ruisseau des Manises, en vert. Mais bon, moi je préfère rester sur la voie verte. Enfin, je voulais faire ce petit détour. Et voilà, je suis parti, il était 1h moins le quart. Là, il est déjà pas loin de 15h. Je suis de retour vers Fumay. Je vais faire une petite halte bientôt là, à la cabane forestière, pour me réhydrater. Sinon, ça a été encore une belle balade, encore une belle journée. Il est vrai que le soleil se cache déjà, mais bon, j'en ai bien profité, croyez-moi. Allez, à tout de suite à la cabane de forestière. Après 16 km, aller-retour, hein, Fumay Revin. On va faire une petite pause, boisson, parce que ça déshydrate, hein, même s'il fait pas chaud, faut boire. Voilà, et on y va. Donc on a vu le panneau tout à l'heure, 8 et 8, 16, 8 et demi, 8 et demi, 16, 17, en gros 17 km, aller-retour, une bonne balade, hein, oui, d'autant que j'ai coupé du bois ce matin, donc une belle journée de sport, hein, tous les muscles ont travaillé, et puis voilà, quoi. Enfin, voilà, le soleil baisse, les journées sont plus courtes, hein, depuis le changement d'heure, c'est vrai que on a tendance à avoir la nuit de bonheur. C'est comme ça, en attendant les beaux jours. Là, le soleil, il est derrière les arbres, alors que tout à l'heure, quand je suis parti, il était au-dessus. Hein. Ben voilà. Je disais tout à l'heure, l'eau, c'est la vie. Hein. Il en faut pour faire de la bière. Il en faut pour faire pousser de la vigne et faire du vin. Il en faut pour faire manger les vaches qui nous font du lait. Notre corps en contient. D'autres en ont un peu plus que d'autres dans la tête. Et puis voilà quoi. L'eau, c'est la vie, les amis. Bon, allez, on va terminer sur cette petite note humoristique, cette belle promenade. Et puis je vous dis bah, à bientôt pour d'autres aventures. Hein. Ciao!